faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Ah non, au contraire, c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Mais je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce donc que vous veut Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler, voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux prendre pour femme. Charlotte! Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête. Bon, Mathurine! Vous n'y ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Non, il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Mathurine, je voudrais... Elle est obstinée comme tous les diables. Il faut que je lui parle. Ah, ne lui dites rien. C'est une folle. Je veux savoir un peu si... Laissez-la là. C'est une extravagante. Vraiment? Non. Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Bon, donc j'y en jure. Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu en premier. Vous vous moquez des gens. C'est moi, vous dis-je. À d'autres, je vous prie, c'est moi, encore un coup. Je suis celle qu'il aime. C'est moi qui l'épousera. Il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Le v'là qui est pour dire si j'ai pas raison. Le v'là qui est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Vous allez voir vous-même. Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Monsieur, mettez-nous d'accord. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous avais-je dit? C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? Monsieur, est-ce vrai que vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous raillez de moi. Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Dites! Parlez! Que voulez-vous que je vous dise? J'ai déjà entendu ça quelque part.